Philippe Bizouarn, je suis médecin anesthésiste réanimateur en chirurgie cardiaque depuis 30 ans au CHU de Nantes. Donc, je suis un vieux militant de l'hôpital public puisque ça fait 40 ans que je travaille dans l'hôpital public, donc où j'ai vu un certain nombre de dégradations de conditions de travail. Je fais partie pour cette occasion d'un collectif qui s'appelle le collectif Interhôpitaux, qui est monté il y a deux ans à peu près à la suite de la fondation du collectif Interurgence. Donc un ensemble de professionnels plutôt multidisciplinaires, médecins, infirmiers, aides-soignants, qui essaient de construire une réflexion autour de la défense de l'hôpital public depuis déjà de nombreuses années, mais qui, au sein de ce collectif, a mis en place un certain nombre de réflexions plus formalisées pour essayer de comprendre la gouvernance, essayer de comprendre le mode de financement des hôpitaux, pour essayer de comprendre le manque de personnel à l'hôpital. Donc, clairement et naturellement, l'atelier de refondation de l'hôpital a fait appel à ces collectifs, dont le collectif Interhôpital, et mon intérêt se poursuit à l'intérieur de cette réflexion qui dépasse effectivement la réflexion du collectif Interhôpital, qui permet des rencontres qui sont souvent très enrichissantes. Et donc, à la suite de l'atelier de Montreuil auquel j'ai participé également, naturellement, on a travaillé ensemble avec Fabienne Orsi, notamment autour d'un livre et la fondation de cette fondation pour l'hôpital public, voilà, donc, dont je fais partie, dont je suis un membre plus ou moins actif. Plus actif que plus, que moins, pardon, mais voilà, dont je suis un membre. Question difficile au final parce que le métier de réanimateur est un métier au plus près des patients, au sein d'une équipe très soudée. Et naturellement, je pourrais dire que finalement, pas grand-chose a changé. Curieusement, au bout de 30 ans, dans l'ensemble de l'hôpital, on sent quand même qu'il y a eu une perte, en tout cas, qu'on dira pouvoir, hein, des services, des soignants, qui n'en avaient déjà probablement pas beaucoup quand même, mais en tout cas, une perte de l'écoute dans nos problématiques quotidiennes auprès des administrations, et ça clairement, on a vu ça, avec une injonction à la performance, une injonction à faire toujours plus, qui commence à gangréner un peu nos esprits. Curieusement, les esprits des plus anciens probablement, parce que les plus jeunes sont là pour apprendre le métier et ont probablement une distance critique qui reste faible à mon sens. Mais en tout cas, cette distanciation des pouvoirs décisionnels était claire et cette volonté de performer. Hein, moi, en réanimation de chirurgie cardiaque, c'est clair et net que cette volonté-là est très importante, sachant que l'hôpital de Nantes, on est la seule structure de la région publique. Il n'y a aucune clinique privée de chirurgie cardiaque dans la région. Donc on est finalement les seuls à gérer plusieurs millions d'habitants avec des durées d'attente et des délais d'attente et donc des injonctions des autorités pour aller plus vite et pour répondre aux besoins de la population, ce qu'on essaye de faire en fait, hein. Mais avec des moyens probablement importants, mais encore totalement insuffisants. Donc, pour l'hôpital en général, c'est sûr que ce mal-être, notamment des soignants, peut-être a été de plus en plus important, augmente probablement de plus en plus. Et on voit bien que cette fuite de soignants est quelque chose d'assez nouveau finalement. J'aime à dire auprès des jeunes et auprès des membres des collectifs notamment que peut-être qu'avec l'âge et peut-être avec une acuité visuelle plus importante, on est plus attentionné aux problématiques actuelles et que peut-être il y a 30 ans, il y avait ces mêmes problématiques que j'ai oubliées finalement parce que j'étais là pour apprendre mon métier. Et je me méfie en fait de c'était mieux avant, toujours, toujours. Bon, c'est toujours difficile de répondre à ces questions-là, c'est clair. Hein. Moi, j'ai une vision hospitalo-centrée, très technico-centrée, mais j'essaye avec l'âge aussi de prendre une distance. Les collectifs nous permettent d'entendre les autres. À Nantes, on avait, c'est vrai,
Au cours des municipales de l'année dernière, organisé avec un des membres du collectif Interurgence, un débat entre les futurs candidats des maires. On a eu à cette occasion l'occasion de rencontrer effectivement des professionnels qui se bagarrent tous les jours avec le manque de moyens. Clairement, non pas que théoriquement, par les lectures, mais on voit quand même que l'accès aux soins est devenu compliqué, que le renoncement aux soins est compliqué. Dans une ville comme Nantes, par exemple, où beaucoup de gens viennent, des migrants, par exemple, on a ce sentiment que malgré les moyens qu'on a et les efforts qu'on déploie, on n'arrive pas à répondre aux besoins de la population. Les médecins généralistes, certains sont en souffrance. On a réfléchi sur des structures de santé multidisciplinaires. On sent qu'il faut faire plus pour accueillir une population qui est grandissante dans l'ouest de la France. Je rappelle qu'à Nantes, c'est 10% d'augmentation tous les ans de la population. Donc on sent quand même que cet accès et ce renoncement augmentent, que nos territoires périphériques éloignés ont des moyens faibles, parce que nous, on reçoit des patients de ces hôpitaux périphériques qui sont dans des états dégradés terribles, qui ont renoncé à leurs soins éventuellement, qui ont une prise en charge qui est probablement dégradée. Je répète encore une fois, peut-être qu'on est beaucoup plus attentionné à cette problématique. Les territoires profonds dans les départements ont toujours été les dernières routes du carrosse. Mais ce qui change, c'est la parole. C'est ça que j'aimerais dire. J'aimerais qu'on réfléchisse sur effectivement une organisation globale dans un monde idéal, une sorte de démocratie où l'ensemble des citoyens, le mot usagé j'en ai horreur, l'ensemble des citoyens d'une population particulière, d'une communauté particulière pourraient se regrouper et réfléchir sur qu'est-ce que ça serait une meilleure santé dans ma communauté. C'est ça que ça m'inspire. Le commun à l'hôpital, c'est compliqué. Chaque service est juste un peu en concurrence. Et donc ça, effectivement, cette réflexion sur cette mise en concurrence, notamment par les lois récentes de l'hôpital, de l'HPST, par exemple, cette mise en concurrence de services à l'intérieur d'un même hôpital pour avoir les meilleurs budgets ou avec les cliniques commerciales, est pour moi totalement délétère. Et cette réflexion sur les communs pourrait effectivement peut-être réaméliorer et puis mettre à la poubelle cette volonté, cette nécessité de concurrence idiote selon des principes qu'on connaît tous, le néolibéralisme, économique en tout cas. En tout cas, le mot de commun m'inspire le fait que l'économisme n'est pas au cœur de la réflexion sur la santé, je n'en doute pas, ça, par contre. Non, là, hélas, mon pauvre, je suis bien incapable de savoir ce qu'il faut faire. Les ateliers sont là aussi pour force de proposition. C'est clair qu'au collectif interhôpital, on revendique, c'est vrai, la place de la proximité. Et ça, c'est le propre, je pense, de la réflexion sur le commun, du local. C'est-à-dire d'un service qui pourrait être autonome ou au moins avoir un peu plus prise de décision dans les choix thérapeutiques, mais ça on les a déjà, ou au moins dans la réorganisation du service, dans la diminution des injonctions par les autorités supérieures qui nous obligent à faire toujours plus avec moins. Dans un hôpital où il y a 10 000 agents qui travaillent, c'est la réflexion sur le commun, pour moi, est compliquée. Comment faire ? Est-ce que les hiérarchies doivent s'effriter ? C'est sûr, ça, on ne peut pas faire autrement. Une sorte de pluri-centre de décision me paraît indispensable. Et ça, c'est les économistes du commun qui nous le disent, ça. Voilà, c'est ce que ça m'inspire, en tout cas, cette réflexion sur le commun. Sans aller au-delà d'une réflexion plus profonde politique. Merci.